Après avoir laissé ta vue à son triste sort, vous avez décidé de continuer un tout petit peu l'exploration de cette demeure, de ces souterrains, évidemment de la demeure au-dessus. Vous avez pour plan de retrouver, en tout cas pour au moins l'un d'entre vous, un grimoire. Et pour votre nouveau compagnon, Falaster, retrouver une trace du contrat signé, plutôt de manière certaine, par Tavius, avec visiblement Zariel. Et donc, l'archiduchesse, l'archidiablesse de la première strate des enfers, Avernus. Vous avez laissé derrière vous un Tavius décrépit, un Tavius en larmes, un Tavius qui ne fait que s'étendre en excuses, s'épandre en excuses, qui ne fait que prier, visiblement, Zariel pour sa clémence, pour son pardon, pour le pardon de ses fautes. En repartant, vous reprenez, j'imagine, les escaliers que vous avez aperçus dans le cellier qui monte vers l'étage. Et ces escaliers vous mènent effectivement dans une demeure tout à fait luxueuse, tout à fait riche. Quand vous explorez un petit peu ce rez-de-chaussée, il y a encore un étage au-dessus. En explorant ce rez-de-chaussée, vous tombez notamment sur une galerie d'art, sur une grande salle à manger, sur des cuisines, sur visiblement des chambres des serviteurs, mais il n'y a pas âme qui vive dans ce bâtiment. Si ce n'est des bruits de pas à l'étage, des pas lourds, des pas assurés, des pas de personnes qui semblent porter des armures lourdes. Comment vous l'entendez grâce au cliquetis des plaques. Et visiblement plutôt bien huilé, produit ce son significatif au fond, ni plus ni moins que les gardes de la ville lorsqu'ils se promènent dans la cité. Cette impression est confirmée par le fait que vous entendez plusieurs voix, dont une voix forte, féminine, autoritaire, qui s'élève et puis des bruits de lutte, des bruits de débat, des gens qui se débattent, pardon. Et vous entendez ces pas qui semblent se diriger vers l'escalier descendant à votre niveau. Vous voyez, tenu par deux gardes, qui sont effectivement des poings enflammés, tenu un homme visiblement de haute naissance dont je vous envoie l'image. Il y a un air de famille avec cette duchesse que vous venez à qui vous venez de mettre un terme à la vie. Cet homme, ça a l'air morose, a l'air triste, a l'air énervé, un petit peu tout à la fois, a l'air blasé, a l'air déçu. Mais l'émotion qui ressort le plus, c'est la peur. Cet homme, comme je le disais, est tenu par deux poings enflammés qui lui tiennent fermement les bras tout engoncés qu'ils sont dans leurs armures noires et leurs symboles, représentant tout simplement un point dans un halo de flammes sur le torse. Et ils sont suivis, ces deux gardes, par un troisième garde et une femme, qui elle aussi porte une armure de la plus haute facture. Elle a un port de tête très altier, très noble, mais un regard et un faciès tout à fait autoritaire. En descendant, cette femme vous regarde et ouvre des grands yeux. Elle dit, mais c'est vous? C'est vous qui avez prévenu capitaine Zodge? C'est vous qui nous avez mis sur cette piste? À Charpé de mémoire, on était allé avec Groba et Et Alba. Il avec que nous semble. deux. Non, c'était que Groba et Alba? Ah oui, Ouais, c'est ça. on était allé que nous Oui, c'est ça. deux pendant que vous prépariez l'attaque du bateau, je pense. C'est ça. Ah, possible, oui. Je vous aussi. T'es allé demander de l'argent et
Et j'imagine qu'à ce moment-là, Dante et Lysia ont cherché une planque. C'était ça. Et je vous affiche aussi l'image de cette femme qui porte donc une armure drapée dans un drap blanc, comme vous le voyez sur l'image. Femme qui semble vieillissante, mais sans être complètement âgée. Je le trouve extrêmement séduisante, ça dit dans ça. C'est une femme qui a du charme. Et elle vous regarde, donc elle descend et elle fait un signe à ses trois gardes. Elle dit, emmenez-le là-bas, j'ai besoin de discuter avec ces gens-là, ces aventuriers, si je ne m'abuse. Elle vous regarde, elle dit visiblement, vous avez l'air d'avoir souffert le martyr. Vous avez oh, l'air c'était de... horrible, si vous saviez. Enzo, je m'a parlé de vous, de votre équipe qui avait aidé à réduire le culte des trois funestes à néant. Et il m'a aussi parlé de votre piste, des soupçons que vous aviez qui semblaient fondés, ma foi, envers la famille Van Tampour. C'est bien vous, c'est cela. Si personne, je crois qu'elle s'adresse parole, à vous. si personne ne prend la parole tout de suite, moi je vais finir par la prendre d'un ton un peu las, évidemment, mais... Et oui, c'est nous qui avons averti là-dessus, et là-dessous, vous trouverez le corps de la doyenne Van Tampour, et vous trouverez aussi le corps d'un diable. Il semblerait que vous ayez des problèmes bien plus importants que ceux qui animent la cité actuellement. Très bien. Bien, dans un premier temps, je ne saurais vous remercier assez pour ce que vous avez fait. Je peux me permettre de vous poser quelques questions? Si on peut se permettre d'éviter de répondre à certaines. Bien sûr, tout à fait. Elle a l'air très sincère dans ce qu'elle dit, et très compatissante envers... Elle a un regard, comme je dis, toujours très autoritaire, mais elle reste... Vous sentez une once de, enfin une grosse partie quand même de bonté dans son regard, et elle compatit vraiment, sincèrement, ça se voit juste avec son regard, avec vous, avec votre peine, avec aussi la présence de la gamine. Elle n'a pas posé de questions dessus, mais elle l'a évidemment remarqué. Elle a remarqué l'air de famille aussi. Et Lick, avez-vous trouvé là-dessous la duchesse Talamra Van Tampour? L'avez-vous trouvé? C'est diable dont vous me parlez, est-ce que c'est... Elle, comme vous le soupçonniez. J'ai pas dit qu'elle était un diable. J'ai dit que vous trouverez son cadavre là-dessous. Elle a visiblement passé des arrangements et des pactes avec des entités qui nous dépassent tous. Et elle a amené avec elle des innocents. J'en suis... Je suis attristé. Je tiens aussi à m'excuser du retard avec lequel nous arrivons, mais disons que Zodj m'a contacté magiquement, car voyez-vous, normalement, je suis en charge de notre garnison dans les jungles de Shult. Et le temps que je prenne une décision, qu'on prenne une décision, et de trouver la personne pour me téléporter ici, magiquement, j'entends. Il s'est passé... Visiblement, et elle vous montre de la main, passer visiblement beaucoup trop de temps, et je ne saurais jamais assez m'excuser. Capitaine Zoj ne savait pas quoi faire avec El Turel, avec ses survivants qui arrivent, avec leurs craintes, avec la disparition de leur leader aussi, leader Avant-Garde. J'ai pris la décision de revenir ici pour... prendre son relais, pour reprendre son fardeau. Et nous allons œuvrer pour que la ville redevienne saine, que la ville redevienne ce qu'elle était, et a toujours été. En tout cas, je pense que vous avez clairement joué un rôle majeur dans la résolution de cette crise. Et encore une fois, au nom de la ville, au nom des Ponts Enflammés, merci. Merci à vous.
qui que vous soyez, et cela, pardonnez-moi, mais m'importe peu. Merci. Non, 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 ça vous importe beaucoup de savoir qui nous sommes. Et pourquoi cela ? Je sais pas, c'est pour les écrits, non ? Mais je sais qu'il vous y a... Vous pas savoir qui Alba, Groba, Dante, Elysia et... Berne, c'est ce que m'a dit Zodge, en tout cas. Non. Ah bon ? Presque. Mais est-ce que vous connaissez leur nom de famille ? Non. Eh ben, moi non plus. Et pourtant, je pense que c'est là une information capitale. Peut-être qu'ils souhaitent le garder pour eux. La seule chose capitale que je souhaiterais... Capitaine ? Je tente un capitaine, en fait, mais en mode... Oui, elle acquiesce. Peut l'aurait pas acquiescé, enfin, ça aurait été un peu pareil pour moi. Non, mais... C'est que si, d'aventure, vous trouvez ces jours-ci dans ces murs ou à périphérie le cadavre d'une demi-orque avec un médaillon une lune en médaillon, je vous demanderai de ramener ce corps-là et ce médaillon au camp de Saltimbanque, vous savez, le camp de bohémien et de Petites gens qui est à la porte est de la ville. Soit. C'est la seule chose que j'ai besoin de demander. Soit. Visiblement, elle a l'air d'avoir compris que c'était quelqu'un qui t'était cher, qui est décédé. Elle ne semble pas vouloir... Enfin, elle semble vouloir respecter ce deuil-là que tu as. Tu lui présentes, en tout cas. C'est comme ça que je l'ai compris. Et... dis... Ah bien, ce sera fait. Et pendant votre conversation, il y a deux autres points enflammés qui rentrent dans la pièce et elle regarde, elle dit, vous deux là, allez jeter un œil en bas. Et ils acquiescent, ils foncent, l'air déterminés par les escaliers que vous venez d'emprunter pour remonter. Et elle dit, auriez-vous à tout hasard croisé, j'ai entendu parler de lui, Tavius Krieg, c'est ça ? Oui, le haut superviseur d'El Turel. Rencontré il y a longtemps, mais... On m'a dit qu'il était a priori abrité ici. Est-ce que vous l'auriez vu, croisé, dans ses souterrains ? Car il n'est pas dans la maison. Nous l'avons vu en effet, et vous le trouverez dans ces souterrains-là. Enfermez-le magiquement. Il semblerait qu'il ait lui aussi passé un pacte avec des entités qui ne sont pas forcément de ce plan. Et là, elle ouvre des grands yeux et elle fouille un peu dans la poche de sa cape. Et elle sort un cube. Attendez, je vais... Hop, je crois que j'ai une image. Non. Attends, bon. C'est un cube qui empêche de passer de faire passer les gaz et l'eau. ça me dit un truc. Attention à l'approche des torrents. Hein. Elle vous sort un... C'est important. Jolie référence à notre game d'Anatazerine. Beaucoup. Je l'explique pour le chat et YouTube. Elle sort du coup un cube de sa poche qui est pas plus gros que ça. Un cube parfait. Sur chacune des faces sont dessinées, sont gravées au centre d'un cercle, comme les parties d'un labyrinthe en fait, comme des couloirs en fait, comme des corridors, comme un schéma de labyrinthe. Tout est angle droit. Dans un cercle, sur chaque face. L'objet a des teintes noirâtres, rougeâtres. Et elle dit, je ne suis pas sûr, mais peut-être que j'ai lu des choses, ou vu au moins ce genre de choses. Nous n'arrivons pas à l'ouvrir, et visiblement, je pense qu'elle doit contenir quelque chose, ça sonne creux. Et là, c'est Falaster qui s'avance entre vous, peut-être en vous bousculant un petit peu, et il dit, oh, pardonnez-moi, madame, et il se... Il s'incline respectueusement. Je suis Plaster Fisk et je viens de Château Suif. Je travaille avec Sylvira. Et je reconnais cet objet. C'est une boîte à énigmes, une boîte à secrets dans lesquelles on enferme des choses qu'on ne veut pas qu'elles soient révélées. Et sans vouloir m'avancer, mais ma collègue et moi travaillons sur le sujet depuis... moment, d'ailleurs ma collègue, elle, reconnaîtra cet objet certainement. Je suis presque sûr que ce
dont a parlé mon compagnon ici est formalisé dans ce cube. Il contient la preuve que Davius Creek, que vous trouverez misérable qu'il est en bas, la preuve que cette chose, cet homme a noué un pacte, souscrit un contrat avec Zariel. À la mention du nom de Zariel, elle pâlit un petit peu et elle reprend très vite sa contenance. Lys voudrait dire que Davius est à la botte de Zariel. Plaster qui en gêne dit oui, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous cherchons à investiguer, et cette boîte-là justement pourrait nous en apprendre. Malheureusement, je ne suis pas en capacité de l'ouvrir, mais ma collègue Sylviria, elle, en est capable. Si je peux me permettre de la prendre et je l'emmènerai auprès d'elle pour qu'elle l'analyse, pour qu'elle que nous en dise plus. Et Lyara Portir se dit oui, évidemment, ce nom ne m'est pas inconnu, vous évidemment prenez-la. Elle se tourne vers vous quatre. Elle dit pardonnez-moi, prenez évidemment le temps que vous voudrez, mais j'ai la conviction que la cité d'El Turel n'est peut-être pas encore tout à fait perdue. J'en ai la conviction, il faut qu'on la sauve, ses habitants. Peut-être qu'elle est quelque part, et ça ne serait pas impossible que ce soit Zariel qui soit derrière tout ça, qu'il ait traîné dans son plan maléfique. Il est traîné pour peut-être que ses habitants servent dans sa guerre de sang. Ainsi, moi je dois remettre de l'ordre ici, mais peut-être que vous qui semblez avoir l'étoffe de grand héros, peut-être pourriez-vous suivre cet homme au moins pour en apprendre plus et voir si vous pouvez faire quelque chose. Nous devons de toute façon nous rendre à Avernus, donc. Bien, on peut dire que les choses tombent à pic, ma foi. Vous êtes peut-être un peu fou de vouloir vous rendre de votre plein gré là-bas. Je ne sais pas ce qui vous y appelle, mais soit. Alors, je ne peux vous encourager. Et vous souhaitez bonne chance. Vous avez besoin de prendre du repos, je ferai passer une missive à notre tour, à notre quartier général. Des chambres vous seront apprêtées si vous avez besoin de vous reposer avant de partir. Nous pouvons aussi vous prêter des chevaux si vous en avez besoin. Capitaine? Oui. Avons-nous besoin de chevaux dans les enfers? Dans les enfers, non, mais je pensais plutôt pour vous rendre à Château Suif. N'y a-t-il pas d'autre solution que de passer forcément par Château Suif? Là, je m'adresse aussi à la personne qui nous accompagne. Bon, j'ai mangé. Falaster. Il va vous regarder et dire de mon point de vue, oui, car Sylvira a besoin de. Enfin. Voudra étudier cette boîte, voir ce qu'il y a dedans, et de plus, c'est elle qui connaît la personne capable de vous emmener là-bas. Elle a les capacités magiques pour vous faire traverser les plans, vous faire passer à travers les limbes en sécurité et vous faire arriver là-bas. Mais comment on va pouvoir partir là? La ville est bloquée. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je suis un capitaine de la garde, après tout. De toute façon, nous allons lever la quarantaine. Il n'y a plus. Si vous avez réglé ce souci, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la chute d'El Turel, eh bien, je ne vois plus de raison de maintenir cette quarantaine. Très bien.
De toute façon, si c'est cela qui vous fait peur, je vais évidemment vous fournir un laissez-passer. Alors partons. À propos de mon grimoire. Quel grimoire ? On t'entend pas. Elle va te regarder et pencher la tête un peu sur le côté. Elle dit des livres, il y en a plein à l'étage. Je ne sais pas si vous cherchez un ouvrage en particulier. Mais à en voir votre expression faciale, du moins, oui, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose. Je. Ah. Bon. Voilà. Ok. Je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais c'était plutôt à mes compagnons que je m'adressais, hein, ceux qui ont promis de m'aider, après tout. What? Je m'approche de Jeff. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve, je sais pas, un peu patibulaires, quoi. C'est, Vous savez, s'ils viennent pas très avenant. Ils viennent d'affronter des diables, toute la rage de la déesse Talamara et d'avoir compris le plan odieux de, en tout cas, ou l'implication de Tavius, je peux comprendre leur affabilité. Non, bah, oui. On a tous vécu des choses horribles. Hein. Moi, j'étais en prison pendant une heure, donc je comprends. Hein. Pardonnez-moi, sans vouloir vous manquer de respect à mon tour, mais eux ont l'air d'avoir un peu plus galéré que vous. Mais c'est parce qu'on se connaissait pas encore à l'époque. Mais j'ai cerné 2-3 personnalités quand même. Hein. Voilà, c'est. C'est bien. Il vaut mieux, parce que si vous partez dans les enfers avec eux, il vaut savoir avec qui. Ils ont parlé de m'envoyer en éclaireur. Je vous avoue que l'idée de partir en enfer, contre toute attente, moi, m'enchante. Hein, je pense que ça peut être une expérience de vie très intéressante. Après, le fait d'y aller en premier, c'est peut-être pas vraiment la solution que j'aurais choisie, mais je me sens un petit peu redevable quand même. Mais je me retourne de nouveau vers eux. Mais encore une fois, avec un livre spécifique que vous avez promis de m'aider à récupérer, ça se. Elle va te couper. Écoute, l'ancêtre, la dame vient te dire qu'il y avait des livres à l'étage. Est-ce que tu as besoin vraiment qu'on te tienne la main pour aller à l'étage, trouver ton livre ? Mais c'est vide. Je veux dire, il y a des gens encore là-dedans ou... Parce que moi, la dernière fois, ça s'est pas bien passé, donc... C'est vide, il n'y a personne. Vous êtes sûr ? Oui. Même les serviteurs ne sont pas là, il n'y avait que le fils. Surtout elle qui était trop obnubilée par cette boîte. Alors, ce qui m'inquiétait, c'est pas nécessairement les gens qui avaient dedans, c'était plutôt les objets qui avaient dedans. Les objets ? Oui. Oui, parce que alors, ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, mais au moment où je cherchais les commodités, disons cela comme ça, y a une armure qui m'est tombée dessus, quoi. Vous êtes sûr que c'est sans danger là-dedans ? J'ai bien vu une armure, mais elle était par terre, quoi. Comme si on l'avait renversée ou qu'elle était tombée. Il n'y en avait qu'une seule ? Oui. Eh ben très bien, eh ben j'y vais. Et du coup, tout fièrement, je vais dans le manoir pour aller récupérer mon grimoire. Ok. Donc tu montes à l'étage, tu explores un petit peu cet étage qui est tout aussi luxueux. Là, pour le coup, c'est petit parquet en bois. Enfin, tu vois, c'est super cosy, vraiment très très riche, très noble. Très... En plus, c'est décoré... Avec un goût douteux, mais avec une forme de goût quand même. Il y a des choses qui vont pas trop ensemble, mais visiblement les gens aiment. Enfin ici, les gens aiment les belles œuvres d'art. Et tu rentres dans une chambre et tu aperçois un lit à baldaquin somptueux, des draps de soie, et posé sur le bureau ton grimoire. Il est ici, ouvert. Visiblement quelqu'un était en train de le lire. Non. Quelle bande de malpolis! Je récupère mon grimoire, il y avait mon sac, j'ai... Et... Ouais. Ouais, je récupère mon paquetage. Je récupère mon paquetage, je feuillette le grimoire, je regarde s'il ne manque pas des pages, ce genre de choses. Je le mets dans le sac. Et puis à ma ceinture, je vais mettre dague, un petit marteau,
des outils à droite et gauche. Voilà, histoire d'avoir de quoi me défendre dans ce que je trouve dans mon pactage. Et je retourne voir mes compagnons si aimables. Mais on est parti. Falaster, justement, quand vous sortez de cette demeure, donc visiblement Liara reste là un petit peu et attend d'autres gens. Elle vous explique que c'est pour condamner le site. Je vous souhaite encore une fois bonne chance pour votre périple. Et vous remercie gracieusement encore une fois d'avoir porté assistance à la cité, d'avoir réglé ce mal. Et elle vous répète que si vous avez besoin de chevaux, de quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à passer à la tour des points enflammés. Falaster va prendre le relais une fois que vous éloignez un petit peu de cette propriété. Et il va vous dire, écoutez, si vous êtes d'accord, partons assez vite, c'est la fin de journée, je rappelle. Soit on peut partir ce soir et bivouaquer sur la route, on en a pour une grosse demi-journée. Donc on peut prendre de l'avance ce soir, marcher quelques heures, si vous êtes d'attaque, évidemment. Ou alors nous partons demain, au petit matin, et nous serons arrivés à Château-Suif en début d'après-midi. Et je peux me permettre, je pense que... Une bonne nuit de sommeil ferait plus grand bien à tout le monde, autant physiquement que mentalement. Soit. Je suis d'accord que le temps presse, mais soyons prudents tout de même. Ça fait sens. Pardonnez-moi, la question était peut-être stupide. Je vous prie de m'excuser, je suis juste très curieux, très pressé de savoir ce qu'il y a dans cette boîte et... De quoi elle en retourne exactement? Alors dans ce cas, moi j'habite dans le quartier Kalishit à l'extérieur de la ville. On se retrouve demain aux premières lueurs du jour à la porte du basilic. Très bien. Je l'ai pas précisé, mais évidemment, Liara s'est engagée à faire le nécessaire pour que vous puissiez partir et quitter la ville à votre guise. Je serais d'avis qu'on aille dormir. Dans le campement à l'entrée de la ville, et qu'on quitte cette ville dès ce soir. Vous voulez partir cette nuit? J'ai pas dit partir cette nuit, j'ai dit sortir de la ville. Sortir de la ville. Excusez-moi. C'est trop de hâte. Maman. Ok. Si, allez voir maman, oui, exactement. Si vous savez où je peux dormir, je n'y vois aucune objection. À moins que vous parliez, uniquement vous deux, vous trois, enfin pour moi. Non, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Il y a plein de places. Ouais. J'ai de la place dans ma tente, si tu veux, Baerne. Ça me convient. Et moi, je dors où ça? Pour trouver de la place aussi, je crois. Vous ne tenez pas beaucoup de place, donc nous trouvons une place pour vous. Je sais faire discret. Ça, j'en suis moins sûr, pardonnez-moi. Mais nous avons quelques personnes qui sont tout aussi bavardes que vous, donc ça fera la balance. Je ne suis pas si bavard que ça. Mais j'apprécie l'hospitalité. Merci beaucoup, et merci pour mon livre, regardez. Je l'ai retrouvé. Vous voyez, promesse tenue. Très bien. Oui, mais j'apprécie, et écoutez, j'accepte de vous suivre avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense que nous allons vivre une épopée incroyable dans les enfers, tous ensemble. Ça s'annonce très joyeux. On veut, ouais. Puisse les dieux vous entendre. Et ben on y va. Il y en a au moins, en tout cas, qui nous entend. Il y a une petite odeur de poisson qui dignode. C'est le dignode. J'y tiens. Okay. Donc vous dirigez vers votre campement. Et... Alors du coup, est-ce que sur la route, alors on le fera hors stream, hors RP, je suppose, ouais. Mais on ferait pas un ou deux magasins de manière à prendre de quoi. Bien sûr. Soit maintenant que vous êtes blindé, vous pouvez tout acheter. Allez fouiller les enfers. Vous pouvez acheter un quartier là maintenant, ça y est.
Fais gaffe, t'as un petit diable qui Ouais, te. mon petit diablotin. J'ai passé un Un contrat diable et je barbu. suis. Ouais, c'est ça. Je suis foutu maintenant. C'est sur shopping, C'est non. Mais sur non, Shopping. on la fera en off, justement. Ah, dans 4 On heures. voit ça par écrit. D'accord. Mais Ouais. réfléchissez, oui, évidemment, vous avez le temps. Les boutiques ne sont pas encore fermées. Je rappelle que vous êtes par contre épuisé et plein de sang. Mais si vous voulez effectivement acheter du matos, la porte de Baldur est une grosse ville. Donc on peut même y trouver des objets magiques, plein de choses. Donc effectivement, pour la prochaine fois, on peut prévoir ça. Ok. Sans problème. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé pendant la pause, du coup le chat nous a pas entendu. Mais disons que ils sont pas repartis les mains vides de ces souterrains. Et ensuite, Et vous vous dirigez vers le camp, c'est ça? si ça convient, tout le monde, oui. Je vous suis. Si tant est que le camp soit encore là, que notre mère soit encore là. Donc quand vous passez, vous vous dirigez vers la porte du basilisque, donc c'est par là que vous campez, vous campiez. Les gardes, effectivement, ont eu un mot quand vous donnez juste vos prénoms, ou vos noms aussi. Comme quoi, ils devaient vous laisser passer, donc ils voulaient sortir par une porte un petit peu détourée. Pardon, une porte un peu sur le côté. Quand vous sortez, vous apercevez une foule. C'est massé à l'entrée de la ville, des gens en haillons, des gens avec des baluchons, des gens avec des mules, enfin, toute une série de personnes qui sont là à attendre. Certains ont l'air de littéralement, enfin, crever de faim, quoi. Oui, c'en est triste. Ce sont des gens, visiblement, qui viennent d'Elturel. Vous traversez la foule. Mal, et vous, effectivement, trouvez votre campement, Alba et Groba. Et je vais vous poser une question toute simple. À quoi il ressemble, ce campement? Je pense qu'il a quand même subi un petit peu le. Enfin, je vais dire le siège, c'est pas vraiment un siège, mais en tout cas les événements aussi. Et il est assez. Dépouillé, j'allais dire, voilà, je cherchais le bon terme. Dépouillé dans le sens où il y a assez peu de tentes, en fait, ils sont un petit peu rapatriés dans les roulottes et mis un petit peu en marge du mouvement de foule qu'il y avait, de peur à la fois de se faire voler des affaires, de se faire embarquer dans le mouvement, et peut-être même de se faire prendre à partie par les gardes aussi, quoi. Mais après, s'il est encore là, déjà, ça me rassure, moi, de ce point de vue-là. Après, il est reconnaissable parce qu'il y a souvent assez de gaieté par rapport à l'ambiance actuelle, du fait que ce soit une majorité de alphelins du compose. Et puis, je pense que si on s'approche, on arrivera à voir une demi-ogre assez massive. Tenter qu'elle sorte encore. Oui. Et moi j'ai la boule au ventre quand je m'approche parce que je m'attends à avoir ma femme, mais qui visiblement ne devrait plus être là. Non, elle n'est effectivement pas là. Maour se précipite vers le campement. Il vient serrer fort dans ses bras la plupart des gens qu'elle croise. L'ambiance n'est pas au beau fixe, on va pas se mentir, dans ce campement. Même si cette communauté alpheline, toujours joviale, toujours optimiste, essaye de garder un semblant de contenance et de gaieté ici. Certains sont en train de chanter, malgré la pluie, comme vous l'entendez, il pluviote un petit peu dehors, sans être non plus l'orage, mais il pleut quand même. Et les gens sont affairés à préparer le repas. Le train-train quotidien semble se maintenir, bien que dans une ambiance un peu plus terne que d'habitude. Je sais pas si vous voulez voir quelqu'un en particulier. Je vais m'approcher de mon frère, en fait, surtout. Lui dire, est-ce que tu te rends bien compte de ce que nous nous apprêtons à faire?
Nous allons sauver Maour. Et ça m'arrache presque un petit sourire en coin, en fait. Il y a une innocence, en fait, et une insouciance qui me touche, en fait. Oui, t'as raison, nous allons sauver Maour, en fait. Je le prends par l'épaule et je lui mets un coup de tête affectueux, quoi. Je lui pose ma tête contre la sienne, quoi. Et les larmes aux yeux, je vais errer un petit peu dans le campement à la recherche d'Alfred. Alfred Douagil, qui était le. Chef de la caravane, c'est ça? Non, 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 le chef de la caravane, c'est Tan Longpipe. c'est Là, ça. c'est Alfred Douagil, c'est un magicien, en fait, qui était un ami à moi. Oui. Qui est dans quelque part, normalement, dans la caravane. Oui, il est effectivement par là. Palaster ne vous a pas suivi. Hein. Dans ce campement, il annonce rentrer chez lui, dans le quartier Kalishit, qui est non loin d'ici, au final. Et vous a proposé qu'on se retrouve, enfin, que vous vous retrouviez le lendemain matin à l'aube, ici, là, afin de, du coup, dans le camp, parce qu'il va vous faire l'entrée du camp. Effectivement, Alfred est par ici et il te regarde les yeux un peu dans le vide et là-bas, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Je ne saurais ne serait-ce qu'imaginer une seule seconde la peine que tu dois avoir, que la petite doit avoir. Je suis sans voix devant. De cruauté. Je suis, bon, certes soulagé de voir que la petite va bien, est en vie, mais ces hommes, c'était des assassins, pas des hommes de main. Et jusque-là, je pense que le perso avait plutôt tenu le coup, en fait, mais là, il va se laisser aller, effectivement, et se laisser craquer, en fait, éclater en sanglots, à l'intérieur de la tente, la caravane. Je ne sais pas, effectivement, ce qu'a investi Alfred avec les une mouvements tente. Qu'il y a eu. Une tente. Mais se laisser, effectivement, à craquer et à abandonner un petit peu. À laisser tomber les défenses, je pense qu'il avait mis en place par réflexe, laisser tomber la colère, tout évacuer d'un seul coup, en fait, dans ces sanglots-là, parce que il en a beaucoup voulu, et il en veut encore beaucoup à son dieu, qu'il pense l'avoir abandonné, clairement, mais le fait de lâcher un petit peu toutes les vannes met en relief. Nettoie un petit peu tous les événements qui viennent de se passer malgré tout et met en relief toute la souffrance et toute la vérité finalement qu'il porte en lui en fait et dans cette vérité, enfin, dans cette vérité-là, il y a l'amour qu'il avait pour sa femme et il y a l'amour et la considération qu'il a pour son Dieu parce qu'il sait qu'il a été sauvé. Il a été sauvé il y a des années en fait par ce Dieu-là et que du coup il continue à y croire malgré les événements et malgré l'absence de sens que ça semble avoir pour le moment en tout cas. Pendant que tu craques, Alfred et tu te laisses faire en tout cas, te serre contre lui, ne dira un mot et juste compatira vraiment par ses actes et son comportement à ta peine. Et quand tu vas montrer des signes que les vannes sont, enfin, le trop plein d'émotions est purgé, à te dire on doit festoyer, on lui doit soi de toute façon. Faisons un repas ce soir, même s'il pleut, peu importe. Tes camarades sont évidemment les bienvenus s'ils le souhaitent. Festoyons en sa mémoire, festoyons pour oublier la cruauté de ces gens. Faisons quelque chose après. Le monde change, Alfred, et les semaines, les mois, les années qui se profilent sont terrifiantes et je souhaiterais te dire et
te demander en fait un engagement là-dessus. Je pense qu'il faut que la caravane, enfin que toi et la caravane tout entière partiez loin, loin des villes, loin de toute civilisation pendant quelque temps, et que vous ne reveniez ici que lorsque vous entendrez parler de héros qui auront permis le retour d'Elturel, le retour du calme, le retour de la lumière sur cette terre. Je ne pense pas que ce soit tout de suite, et peut-être effectivement ces héros ne viendront jamais, n'existeront pas, mais en tout cas, peut-être vous serez en sécurité et dans l'innocence et l'insouciance de ce monde encore quelques temps. Et je ne peux que vous souhaiter ça. Donc si je lis entre tes paroles, tu ne repartiras pas avec nous. Je ne peux pas. Je vous dirais bien que Mahour repartira avec vous, mais je pense que elle vous mettrait, toi et toute la caravane, en danger. Elle a été victime d'un mauvais sort, si je puis dire, et un diable a été lié à elle, en fait, et je pense qu'elle sera en sécurité ailleurs qu'ici. Je pensais la confier aux sages et aux savants de Château Suif. Par contre, si tu en as la possibilité, si tu as des liens avec eux, si tu as la possibilité de garder des liens avec elle et d'être là Et vous sentez effectivement l'émotion chez Alba. Et d'être là comme j'aurais dû être là pour elle, alors ça serait une bonne chose pour elle. C'est évidemment, Alba, évidemment. On se retrouvera des oiseaux, des corbeaux capables d'acheminer des missives. Et évidemment, je garderai contact avec elle si tu arrives à la placer là-bas. De ce que j'ai entendu, ces gens-là l'accueilleront. D'autant si tu traites avec eux. Et en plus, elle y sera en sécurité. Je suis triste par ta perte, et évidemment triste d'entendre que la petite Mahour ne voyagera plus avec nous, mais si c'est pour son bien, alors soit. Je suis peiné aussi d'apprendre que tu ne repartiras pas avec nous. Et quelque chose me dit que tu es lié à tout ça, que tu es lié au monde qui change, que tu es lié à toile du destin. Tu as un grand rôle à jouer ici, je l'ai toujours su, depuis que tu es avec nous, depuis que tu nous as rejoints. Je ne sais pas quel rôle, évidemment, je ne suis pas dans l'échiquier divin, mais je suis soulagé d'apprendre que c'est toi, pas quelqu'un d'autre, qui pourrait faire tout changer. Comme tu dis, ramener le Turel et ramener la lumière sur ce monde qui s'obscurcit de jour en jour. Je te souhaite J'aurais. évidemment tout le courage, toute la chance que tu pourras avoir besoin. J'aurais espéré que tout ça n'arrive jamais et que nous ayons une vie calme et paisible, c'est la seule chose à laquelle j'aspirais. Mais manifestement, Le destin est le meilleur si défenseur. j'en crois, tout à fait, si j'en crois mon parcours de vie, le destin, comme tu dis, a choisi d'être particulièrement rotor avec moi.
Prenez soin de notre mère aussi, à Groba et à moi. Bien sûr. Bien sûr. Je doute qu'elle survive à de nouvelles pertes aussi. Malgré le caractère qu'elle a. J'espère qu'elle ne vous en fera pas voir de toutes les couleurs Non. non Oh, plus. au pire, tu sais. À toutes ces années, on est habitué. Mais bon, c'est ce qui fait qu'on l'aime aussi. Hein. Une fois qu'elle aura. Elle t'aura maudit et traité de tous les noms, ça ira mieux. Pas faux. C'est une femme forte, je m'en fais pas pour elle. Et je dois être honnête, je suis évidemment un petit peu inquiet, mais je ne m'en fais pas sur la réussite de ce qui t'attend, en tout cas. Mais festoyons, dans un premier temps. Célébrons ton retour. Estoyons. Célébrons ce qui peut être célébré et honorons la mémoire de celle qui nous a quittés. Festoyons, festoyons. Demain, nous festerons en enfer, en effet. Il te prend dans ses bras vraiment, tu sais, une étreinte vraiment amoureuse, quoi. Enfin, familiale, chaleureuse, il te transmet tout ce qu'il peut, tout ce que là. Tu sens son soutien et tu sens sa peine qu'il partage avec toi. J'imagine que ça doit faire vraiment du bien aussi, à Alba de sentir ça. Et après, il fait une petite claque sur l'épaule, amicalement, il te dit, bon, c'est temps de surveiller ce que fait le cuistot, non? Et je vais sortir rejoindre mon frère aussi dans ces moments-là, voir où il est, ce qu'il fait, et puis le soutenir aussi, parce que l'épreuve n'est pas que pour Alba. Pendant ce temps-là, les autres. Vous êtes du coup, pendant qu'Alba est à part, livré dans ce campement-là d'alphelins, de gens, certes à la mine un peu triste, mais qui vous regardent, qui semblent s'intéresser à vous d'une certaine manière, mais quand ils voient que vous êtes avec Groba et Alba, ne posent pas plus de questions que ça. Ils sont affairés à préparer un espèce de repas, un peu adapter le campement à la météo qui change. Qu'est-ce que. Vous faites quelque chose de particulier le temps que Alba. Discute avec Alfred. Je me mets dans un coin et j'écris dans mon livre. J'écris plein de trucs. Je dessine aussi. Au bout d'un moment, tu as une petite alpheline, une enfant. Il y a des enfants dans la caravane, je dis pas de bêtises par contre. Bien sûr. Ouais. Une petite alpheline qui vient et qui te tire par la manche pendant que tu écris. Alors peut-être que ça te fait faire un petit gribouillis quand tu fais ton carnet. Monsieur, pardon, monsieur. Jeune fille. Oui. Ils sont bizarres, vos bracelets. Tu trouves? On dirait qu'ils sont collés à votre peau. Ça doit faire mal, non? Tu veux que je te dise un secret? Oui, ah oui, j'adore les secrets. J'ai fabriqué ces bracelets quand j'étais jeune. Et depuis, je ne peux plus les enlever. Jeune comme moi? Mais c'est bête, tu peux plus les enlever. Bah oui. Monsieur, c'est pas pratique. Comment tu te laves dessous? Je peux pas. C'est horrible. Oui. Donc si j'ai un conseil à donner, ne construis pas de bracelet. Ça fait mal. Promis, je le ferai pas. C'est une bonne chose. Moi, je veux pas de bracelet qui sont dans ma peau. Hein. Non, non, Non. non. Moi, je veux une tiare, moi. Tu sais ce que c'est une tiare, monsieur? Oui, bien sûr. Comme les princesses. Oui, tu sais, c'est un truc comme autour du cou, là. Ouais. Écoute, je n'ai pas de tiare à t'offrir, mais attends quelques secondes. Et je tourne une page du bouquin, et je lui dessine une tiare, et je déchire la page. Mais... En attendant d'en avoir une vraie, tu pourras toujours regarder celle-là. Elle la regarde vite fait, elle s'empresse de la mettre à l'intérieur de sa chemise, c'est pour pas que ça prenne trop l'eau. Elle dit, oh, ah oui, c'est super. Je crois qu'un jour j'en aurai une comme ça, monsieur. Peut-être, probablement. Et c'est toi qui me la fabriqueras? Oh non, non, je veux pas que tu me la fabriques, parce qu'après je peux plus la retirer. C'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Tu pourras toujours trouver dans un livre l'endroit
ou acheter des tiers, ou trouver des tiers, ou en tout cas tu pourras peut-être même lire les histoires incroyables. Vous avez des livres qui racontent des histoires à me donner ? Bon, nous, on a des livres, mais je les ai tous lus plusieurs fois, alors. T'as tout lu ? Bah oui. Je vais prendre... Écoute. Je vais regarder dans mon paquetage, et je vais prendre un petit bouquin, pas très grand. Et en fait, dans mon sac, il y a plein de livres. Il y a vraiment plein de livres. Elle ouvre des yeux comme ça. Et je lui sors un livre et je lui dis, tiens, ça c'est une belle histoire. C'est quoi ça, monsieur ? Ça raconte l'histoire d'un grand héros. Vraiment d'un grand héros. Un être incroyable, d'une beauté sans pareille et d'un courage à toute épreuve. Ah, mais ça raconte l'histoire d'un être maudit. Maudit par ses pairs. Ça se passe dans le Grand Nord, tu vois. On appelle ce héros Icebreaker. Dis son histoire, elle est très intéressante. Oh oui, mais le Grand Nord, tu veux dire Valbise, monsieur ? Eh oui. Alors, on s'en est approché une fois, mais... Elle s'approche. Il paraît qu'il y a des Yétis là-bas. Il y a pire que des Yétis, d'après ce que j'ai lu. C'est dans le livre ? Ouais. Oh, c'est super. Ça fait peur, le montre pas à tes parents. Non, mais moi, j'ai pas peur, moi. T'as raison, faut pas avoir peur. J'ai pas peur, moi. C'est qu'un livre, après tout. T'apprendras plein de choses et tu seras en sécurité. Merci, monsieur. Faut que je retourne aider les autres à faire à manger. Et elle te tire un petit peu comme ça. Ouais. Faut que tu trouves une solution pour tes bracelets. Ah, si seulement. Mais on s'y fait à force. Ils sont magiques, tu sais. C'est pas les bracelets qui font mal. C'est parce qu'ils sont magiques. Ils sont magiques ? Ouais. Magique comment ? Tu veux que je te montre ? Ah ouais ! Ah ouais, montre-moi, monsieur. Et là, je me recule. Tu es prête, hein ? Oh, je suis prête, monsieur. Je tends ma main vers elle. Et je claque des doigts. Et vous voyez apparaître, elle voit apparaître une lumière dans la main. Qui grandit. Et derrière la main, il y a une espèce de toile brillante, un peu métallique, qui vient recouvrir la main petit à petit et qui grimpe tout au long du bras et qui commence à recouvrir tout mon corps. Et vous avez la même chose qui vient recouvrir mon visage. Et je tends le bras et vous voyez un bouclier qui vient se déployer et se mettre devant. Et vous voyez Ascan totalement armuré. Tu vois, ma petite, ça c'est magique. Oh ! Waouh ! Et elle crie comme ça. Waouh ! Mais c'est... Waouh ! Mais c'est fou ! Et elle regarde autour, elle dit, regardez ! Regardez-le ! Waouh ! T'as réussi à te transformer ! Les histoires de héros, c'est pas que des histoires, tu sais. Est-ce que moi aussi, je pourrais faire ça un jour ? Si t'étudies... Si tu lis beaucoup, tu pourras y arriver un jour. Je te montrerai comment on fait. Waouh ! Et tu restes avec nous pour m'expliquer et m'apprendre tout ça, monsieur ? Quand tu veux. Je t'apprends quand tu veux. Mais c'est génial ! Vous avez vu ? Vous avez vu ? Et tous les gens autour qui sont un petit peu stupéfaits, qui te regardent comme ça, tu sais, qui avaient vu une vieille personne, enfin un vieux noble pour eux, hein, qui était là, transformé avec un type en armure comme ça, qui parle avec une voix un petit peu métallique et étrange. Et ils sont un peu bouche bée comme ça, et t'en as qui te regardent. Et ils osent pas trop approcher parce que tu veux, t'en as qui ont un peu des mouvements de recul comme ça, mais ils t'ont vu discuter avec la gamine et ils ont bien compris que t'étais pas mal intentionné. Ils te regardent d'un air curieux comme ça et... Je sais pas trop comment réagir.
Je reste immobile. Comme ça, en position. Position un peu fière, un peu victorieuse. Ouais. Avec le. En mode Captain America, avec le bouclier comme ça, sur le devant. J'imagine que les autres Groba et Bayern peut-être aperçoivent ça. Ouais, je m'en cache pas. Ok. Et j'imagine aussi que c'est à peu près à ce moment-là où Alba sort de la tente. Moi, je pense que ça dépend où se trouve notre mère, à Alba et moi, mais je suis allé la voir. Elle est dans sa roulotte. Enfin, si elle vit dans sa roulotte, je dis ça. Mais... Je suis dans la roulotte. La mère qui pleure... Visiblement, toutes les larmes de son corps, mais de soulagement de vous avoir vu revenir et rassuré que vous n'ayez pas subi le même sort que l'épouse d'Alba. C'est donc sur ces différentes scènes-là, d'un côté Alba qui ouvre complètement les vannes, de l'autre... Groba qui essaye de consoler sa mère, je pense en tout cas. Je sais pas. Oui. Oui. Elle est triste et rassurée en même temps que Sola et je dis mon fils, ce sont des monstres ces gens-là. Promets-moi que tu ne seras pas comme eux, que tu ne. On ne travaillera pas avec eux. J'ai tué des gens, maman. Mon fils, est-ce que ces gens le méritaient ? Ils ont été méchants envers toi ou ton frère ? Ils ont essayé de faire la même chose. À vous deux, ils ont fait l'autre nuit. J'aurais pu agir différemment, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Depuis notre dernier voyage, je suis en colère. J'ai toujours. Enfin, toujours su, je ne sais pas, mais. Je sentais bien que. Un jour. Je cesserais d'être ce. Ce petit enfant calme. Et gentil. Mais. C'est ainsi, et je ne t'aime pas moins pour autant, mon fils. Je suis. Très fier de toi. Tu as ramené ton frère, tu as ramené ta nièce. Et je sais qu'en toi, il n'y a pas une once de méchanceté. Pas une once. Aucune partie, aucun élément de toi n'est mauvais. Et je sais que si tu as volonté des gens, si tu les as c'est que... Alors peut-être il le méritait. Surtout, ce sont ces gens qui ont orchestré cet enlèvement et cet assassinat. Tu te rends compte, ils ne nous ont même pas laissé le corps. Ils vont la retrouver. Mais je m'inquiète pour Alba. Pourquoi, mon frère ? Il a laissé sa peau, maman. Tu veux dire qu'il a abandonné sa voix ? C'est ça que tu m'en dis, mon fils ? Tu sais bien que j'ai jamais trop compris ça, mais... Je sais. C'est la première fois qu'il la laisse. Il a l'air...
de ne pas vouloir aller la récupérer. C'est surprenant, je ne m'y attendais pas. Que vous avez dû traverser des choses horribles, des choses insurmontables. Mais ce que je sais, c'est que vous avez fait tout ça, c'était pour nous défendre, nous, la famille, pour être vengé. C'est triste à quel point le monde peut être néfaste, mauvais. Encore plus envers des gens qui ont souffert pour une grande partie de leur vie. Mon fils, promets-moi que tu ne deviendras jamais comme ça. Tu le sais, mais j'ai besoin de l'entendre. Je ne le veux pas. Je ne le pourrai pas. Mais on va partir, maman. On va partir très loin. Mes vieux os ne m'ont donc pas trompé. Je sentais que quelque chose de mal allait se passer. Mais j'ai toujours su qu'un jour, mon frère et toi feraient de grandes choses. Il est triste que cela passe par ce que tu as fait, mon fils. C'est une réalité. Elle ne me plaît pas, mais c'est comme ça. J'aurais préféré continuer à travailler le bois dans mon petit atelier au village. Je sais. Mais rien ne t'empêchera de toujours travailler ce bois. Car d'une part, et je n'aime pas ça, mais si c'est ce que tu sembles juste et semble être correct à faire. Pour moi, il ne faut aucun doute qu'un jour, tu pourras retravailler le bois et retrouver un village. C'est quelqu'un de bien, gros. Mon frère aussi. Et n'en doutez jamais. Et là, ça va, maman? Je suis triste, mon fils. Triste et las. Las, je pensais avoir enfin peut-être trouvé une routine, quelque chose. Enfin, depuis quelque temps, nous étions tranquilles, enfin, et cela nous tombe dessus encore. Et en plus de me prendre cette femme merveilleuse, ces gens-là qui ont causé tout ça vont me prendre indirectement mes deux garçons. Je suis triste et je suis las. Mais que veux-tu? Et je ne serai pas seul. Tu devrais peut-être aller parler à Alba. Oui, je le ferai, mais j'ai cru voir en vous voyant arriver qu'il se dirigeait. Je cherchais Alfred et je le comprends. Ces deux-là ont toujours été très proches. Il lui apporte un autre soutien. Ce que je peux lui apporter. Je sais que nous discuterons ce soir, cette nuit. Tu n'as pas toujours été très proche de lui. C'est même la première fois que je t'entends dire que c'est quelqu'un de bien. Il a besoin d'entendre ces mots, je pense. Peut-être que j'étais trop bête pour les dire, mais au fond, ce que j'ai toujours pensé. Après tout, vous êtes mes deux garçons. Nous reviendrons, maman. Et
Comme promis, nous aiderons à rebâtir le clan. Récupérer la tête du clan, tout du moins. T'as plutôt intérêt, mon fils. T'as plutôt intérêt. Pas de tard, on tiendra. Les tards ne peuvent pas s'éteindre comme ça, de toute façon. Mais je ne m'éteindrai pas. Une personne ne s'éteindra dans cette future famille. Sans avoir marqué le monde, son empreinte. Prends-toi bien, maman. Je vais rester un peu seul pour le moment. Mais on se retrouvera au repas. Hein. Attends, j'ai des choses à faire. Ne mets pas trop de sel dans la soupe cette fois. C'est très bien qu'Alfred n'aime pas ça. C'est pas moi qui cuisine, maman. Pas ce soir. Alors, je fais... Bref. Va, mon fils. Nous... J'ai besoin de me ressaisir. Je m'approche et je pose juste ma main sur son épaule, quelques secondes. Et puis je sors et je me dirige vers la tente qui me sert d'atelier en fait. Et je vais faire un maximum de ce que j'avais à faire sur ma liste de tâches avant de partir. Enfin, avant d'aller dormir. D'accord. Je vais aller réparer un essieu, je vais aller travailler jusqu'à ce que j'en puisse plus et puis que je doive aller dormir. Ok. La soirée va se dérouler paisiblement quand même. Les gens avec qui vous échangez, Alba et Groba, ne semblent pas... vouloir forcément aborder le sujet pour éviter de ressasser quelque chose. Il profite du fait que vous soyez là, du fait que vous soyez rentré. Et va se tenir un repas dont les nouveaux membres de cette compagnie vont être évidemment chaleureusement acceptés. Et on va vous proposer à manger, comme l'ont dit Alba et Groba, à vous proposer pour dormir. Et la soirée va se passer comme ça, autour du feu qui est abrité par une espèce de tonnelle. Dans la tranquillité, dans pas de débordement de joie, parce que la situation fait que on ne peut pas déborder complètement de joie, mais les gens essaient de garder un certain optimisme. Les gens comprennent vos motivations et je sais pas si ce serait de nature à vraiment tout demander pourquoi vous partez, etc. Mais comprennent. Vos émotions, parce que vous ressortez marqué de ces récents événements, c'est quelque chose de peut-être plus gros que le monde, plus gros que, en tout cas, que cette caravane à laquelle vous destinez. Peut-être veulent-ils aussi tout simplement profiter d'une dernière soirée avec vous, avant de vous revoir dans on ne sait pas combien de temps. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, cette session de reprise de la campagne d'Avernus. Nice, nice. Ouais. L'instant émotion. Très beau. Ouais, ça m'a pris, je t'avoue. Pardon, comment ça va? Ça va. Que ça vous a c'est chouette. Lu. J'ai pris un shot. J'ai pris un shot. C'était cool. Ouais. Je suis toute chose là. Ouais, c'est une belle scène, ouais. J'espère que j'ai bien interprété ces. PNJ là, ces personnages là qui ont été créés par du coup Alba et Groba, enfin Kaed et Taki du coup. Et longtemps. Bravo tout le monde dans le chat, merci Tony.
Merci Tony d'être resté. Ouais, merci Tony d'être resté. Le vaillant. Le vaillant. Ils sont où les tablatures là? Hein? Hein? Il y a Tony? Bah ouais. C'était une session très chouette, hein. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, je suis très content de. Très content de retrouver cette table. Cette campagne. C'est très plaisir de joueurs. Reprendre en tout cas. Ouais. Ça manquait de baston, j'aurais dû mettre une droite à la scan en fait. Ça manquait de baston, non t'inquiète, t'en auras pour toute ta vie après, dans la suite. Là. Avec les gants, il aurait dû reroll direct. Il aurait dû rire quoi. Oui. Ah merde, j'ai pas mis le bon overlay. Ah ça va, c'est pas vraiment la baston, mais j'ai soulevé un vieux par la gorge, ça je suis rassasié. Je l'ai menacé de mort, nickel. Ouais. On va bien. Bon, bah, je suis content que ça vous ait plu. Ouais, c'était très cool. On est tous sur le contre-coup de la scène, bah oui, de la fatigue. Ouais, j'avoue. Mais moi, ça m'a. Ouais, j'espère d'ailleurs que j'ai pas. Enfin, que je me suis pas. Je me suis donné quelques libertés pour le RP de ces deux personnages-là. Je sais pas si. Enfin, c'est trop tard. Mais, non. Rien à dire. Je voulais pas. Je me suis juste permis. Je voulais insister sur le fait que ça a étonné gros mec qu'elle parle comme ça d'Alba, mais c'est pas illogique avec ce qui s'est passé juste avant. Ouais, puis comme elle l'a dit, elle sent qu'il y a quelque chose en vous de plus grand que tout ça, quoi. Je sais pas, après, voilà, c'est ce genre de scène, c'est souvent sur le moment que tu vois comment ça se passe, quoi. Enfin, comment tu joues les trucs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je gère ce genre de scène assez riche en émotions. Ouais, ça vous a plu, tant mieux, je vais te dire. Donc tout le monde s'amuse. C'est ça. Oui, j'avoue, tout le monde est silencieux, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avoue, là, je suis fouet. Ouais, posé, mais tout le monde est calme, là. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. Si après coup vous avez des retours à me faire hein, sur ce jeu, sur cette scène là, n'hésitez pas, en bien ou en mal évidemment. Ouais, je viens de voir c'est le... trop silencieux, ouais, les mecs ils sont punis, c'est trop. Non, je suis, ce que tu veux dire en fait, à un moment il a rien à dire. Je suis sans voix là, tu vois. Ça m'a... Bah, donc on coupe là. Ça m'a brassé comme ça. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà, ou à YouTube, hein, on enregistre depuis tout à l'heure. Et voilà.